Accusé, levez-vous, monsieur Socrate. Dit MacTailleur, né à Aubervilliers le 23 avril 79. Votre casier judiciaire porte mention de deux condamnations. Voilà main armée, séquestration, vous êtes renvoyé devant la cour d'assises pour tentative d'assassinat sur monsieur MacGregor, né à Saint-Denis. Lors de l'instruction, vous avez nié les faits. Expliquez-vous aujourd'hui sur ce qui vous est reproché. Bon, madame la juge, j'ai rien d'autre à vous dire. Cette histoire me dépasse, faut me croire. Ce soir-là, c'est pas moi qui ai mal agi, je n'ai pas tiré. Faites une requête à l'IGS pour enquêter sur l'OPJ. Monsieur, arrêtez d'induire en erreur les enquêteurs, quoi. Voilà, oui, attendez. Des questions, monsieur le procureur. Madame la présidente, allons-nous laisser l'accusé remettre en question le travail fait par les inspecteurs. Surtout pas, je demande le premier témoin de l'affaire. Bonjour. Donc faites entrer à la barre, monsieur le commissaire. Il devait être 22h30 quand l'appel radio nous a signalé une agression à main armée au 80 rue de l'Impasse. On n'était pas très loin parce qu'on était sur ce gars depuis 9 mois déjà pour des trafics de stupes. On attendait juste le flagrant délit, un truc croquant à se mettre sous la dent. On n'avait rien de sérieux, madame la présidente. Très bien, procureur, des questions? Non? Bon, maître, c'est à vous. Des questions? Monsieur le commissaire, vos états de service sont impressionnants. Vous ne comptez plus les arrestations seulement. Une affaire fait tâche dans votre dossier, accusation de corruption que l'IGS finit par classer. 6 mois à filer mon client, vous le dites vous-même, aucun résultat, rien à se mettre sur la dent. Ouais. Peut-être que comme mon client l'indique, il a mis fin à ses anciennes activités illicites. Mais ça a rien à voir là, de quoi vous me parlez? C'est mon procès qu'on traite ou quoi? Je vois pourquoi on secoue mon passé. On est venu comme je vous l'ai dit, moi et mon collègue, après avoir enfoncé la porte. Et ce qui s'est passé est écrit dans mon rapport. Hey, monsieur le commissaire, veuillez garder votre calme, évitez tout écart, je vous rappelle que vous êtes à la barre. Faites entrer monsieur MacGregor, témoin dans cette affaire, c'est à vous. S'il vous plaît, veuillez être clair. Madame la présidente, pour être franc, ça fait 1 heure que je suis assis dans le box. J'écoute les conneries de l'autre flicaillon qui me fait passer pour un tox. Soir là, je me rappelle pas trop des faits, juste que c'était pas drôle. Et que c'est pas son qui m'a tiré dessus pour notre acte. Quelle éloquence, monsieur MacGregor. Mais nous ne sommes pas au théâtre. Et à la barre, il faut être fiable. Et le prochain témoin n'accuse pas, il donne des faits. Donc faites-le appeler pour qu'il puisse témoigner. Ce putain de cardiaque, plus d'âme. Sans pouce atteint, ça pue le drame. Je passe trop de cul de concierge, planqué derrière un Judas, loin d'être vierge. Mon casier porte le poids de mes erreurs. Comme ce gosse écrasé, des fleurs du sang sur son Bermuda. J'ai payé ma dette, je roule droit à la tôle, m'a rassasié. J'étais cool avec ma môme quand j'ai vu l'armée sa tête. Un brasier dans ses yeux, j'imagine la suite. Ça pète dans tous les sens, ça sent la poudre, les substances illicites. Et en parlant de substances, êtes-vous toujours alcoolique? Désolé, ma dernière cuite étant en 98. Cet enfoiré nous a frôlé, moi et la petite, il pissait la rage. Vous êtes dans un tribunal, surveillez votre langage. Un nouveau témoin devrait intervenir à la barre, s'il vous plaît, je demande, Bachir. Écoutez, moi j'ai tout vu, j'ai tout entendu, je vous dis tout, pas de malentendu. Ces keufs sont des ripoux, au départ de l'histoire, j'étais chez MacGregor. Pépère, il était tard et d'un coup ça frappe fort. Mon pote s'agite, s'excite, hésite à aller voir, puis me suggère de me glisser dans l'armoire. Elle entre-ouvert, lui a ouvert, le man est insolent, violent et muni d'un revolver. Mon compère s'explique, essaye de le calmer, mais très vite le jeune homme a commencé à s'emporter. Puis soudain la porte claque, les policiers débarquent, un keuf braque, il a le trac, les nerfs craquent, un coup de barre. L'homme se tient la tête, regrette ce qu'il vient de faire, MacTailleur reste de fer et mon pote est par terre. Attendez, attendez, un coup de barre, vous l'avez vu, vous l'avez entendu, et tout ça du placard. Je l'ai vu et entendu. Comme je vous vois, comme j'ai vu ce policier prendre le brolic à MacTailleur, je l'ai vu et entendu parler à petite voix, parler de balistique et comploter pendant des heures. Oh, de qui parle là? De qui parle? Mais madame la présidente, c'est pas vrai! Calmez-vous, vous qui êtes dans un tribunal là! Calmez-vous, je vais évacuer la salle! Calmez-vous, j'ai dit! Merci. Bon, nous allons poursuivre et passer aux réquisitions. À la barre, monsieur le procureur, c'est à vous. Mesdames et messieurs les jurés, nous avons là une affaire simple. Une histoire de ghetto de plus qui vire au drame. Et aujourd'hui à la barre, la routine s'installe. Que dire de plus? Un soir il devient fou, il sort avec une arme et un témoin l'a vu. Vous l'avez entendu, à n'en pas douter, vous y avez cru, l'accusé a été reconnu. Le témoin était là avec son enfant lorsqu'il croisa l'accusé armé d'un revolver menaçant, en criant de venger la victime. Peu de temps avant le crime, devant un père et sa fille. Peu de temps avant le crime, mais l'accusé ne s'arrête pas là. Le commissaire vous l'a dit sous serment, il a tiré. Avec sa rage mortelle, il a tiré. L'accusé avait fermement l'intention de tuer. Il est coupable, mesdames et messieurs les jurés. Laissez cette bombe à retardement dans les rues, serait insensé. Et ne vous laissez pas abuser. Les témoins de la défense sont tous du même quartier. Ils jouent à l'arme à feu, drogue, j'en passe, c'est pourquoi leurs récits ne sont pas dignes de foi. Et n'oubliez pas l'accusé multirécidiviste agressif, un délinquant qui joue avec la justice. Afin de savoir vos enfants en toute sécurité, cet homme se doit d'être enfermé. Madame la présidente, je requiers une peine
de 8 ans d'emprisonnement et laisse la parole à la défense. Liberté, égalité, fraternité, messieurs les jurés, pourquoi personne n'y croit plus dans nos cités? L'égalité des chances, une utopie, car on ne mène pas la même vie. Du 16e à Saint-Denis, il faut l'avouer, n'accentuons pas les injustices au nom de la fraternité. Refusons d'être complices de l'assassinat d'une liberté. Le tout, c'est d'admettre qu'un homme peut changer. Notre société ignore-t-elle le pardon? Peut-on condamner sur de simples présomptions? Notre police n'est pas infaillible dans cette affaire. Il me paraît clair qu'il y a de la bavure dans l'air. Alors qui va-t-on condamner? Le vrai coupable ou ce noir au lourd passé? Le dernier témoin est formel. Le crime n'a pas de couleur ni d'origine. Vous êtes informés. Merci maître, maintenant passons à l'accusé. Si celui-ci a quelque chose à ajouter, sachez qu'après nous délibérerons, monsieur Socrate. Nous vous écoutons. Faites preuve d'indulgence, le commissaire vous a menti. T'en as gros sur le cœur quand tu n'éduques pas ta fille. Madame la présidente, j'avais 16 ans quand j'ai morflé. Quand je surfais sur des vagues où des frères se sont noyés. J'ai la musique pour évacuer ma rage de vivre. C'est ma psychanalyse, celle qui m'analyse quand je vais mal. Madame la juge, je suis juste un beau coupable. Un repris de justice au cas irredoutable. Madame les rafales n'accouche que des cadavres. Au tir du procureur, je suis trop menaçant pour qu'on me relâche. Je suis innocent, messieurs les jurés, s'il vous plaît, soyez clément. À cause de mon lourd passif, vous oubliez que les hommes changent. Monsieur Socrate, après délibération pour tentative de meurtre, avec préméditation sur la personne de monsieur MacGregor, tout a été prouvé. Vous êtes reconnu coupable à l'unanimité. La cour vous a condamné à la peine de 5 ans de prison ferme. Sachez que vous avez 10 jours pour faire appel. Mais qu'est-ce que tu me racontes là? Mais putain, là j'étais en train de m'en sortir. Mais va te faire foutre, c'est quoi cette justice de merde? Mais fais quelque chose de baveux là. Mais qu'est-ce qu'il y a?